Ça se dégage. What the fuck, man? Bon, ben, merci, ça décroche. Allez. Non, mais arrêtez, non, attendez. Oh, mais c'est chaud tout ça, gros. Bienvenue dans l'épisode numéro 9, les amis de Pafonda, mes joueurs. Je suis très content de te retrouver dans cet épisode. Dans cet épisode, tu vas voir de l'opening des big box, tu vas voir du pillage et tu vas avoir une explication sur notre faction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et il y a quoi? C'est le bordel ou quoi? Tu vas pas comprendre, frère. Comme d'habitude, dans chaque épisode, vous avez l'habitude, c'est le 9e épisode, c'est bientôt le 10e. Et comme chaque début de vidéo, je vous présente un coffre caché. Voilà, de la dynamite, du stuff chevalier d'or, des gun buckets d'or, des blocs d'émeraude et des épées T25 avec des nouvelles calumets et des hopper farming, les amis. Les coordonnées vont se trouver dans la vidéo. Bonne recherche à vous tous. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui s'abonnent à la chaîne. Donc n'hésite pas, t'oublie pas, tu t'abonnes, s'abonner, c'est gratuit. Et ça te prend 2 secondes à le faire. Merci beaucoup, parce que pour moi, ça me soutient. Bon, les petits melons, aujourd'hui, on fait l'opening des clés. On va regarder un petit peu ce que les clés vont nous donner, tout simplement. Est-ce qu'on a de la chance, est-ce qu'on n'a pas de chance? On verra ça tout de suite, là, maintenant. On espère gagner de la thune. Allez, c'est parti. Ah putain, par contre, j'ai oublié de vider mon inventaire, ça pue du cul, ça. 250 bedrock, ok, ça pue la merde. Ouais, ça, c'est pas mal. On prend pour faire des bitcoins. Ça, c'est vraiment intéressant. L'obsidienne, frère, ça pue un peu du cul, quoi, tout simplement. De l'émeraude, je prends. Ok, donc voilà, l'opening, on a eu pas mal de blocs d'émeraude. Donc, c'est assez intéressant pour faire des bitcoins. On va faire ça tout de suite même. On va regarder combien de bitcoins ça va nous apporter, tout ça. Donc, ça fait slash EC. Ok, c'est pas mal, un petit opening. Tranquillou. On se retrouve juste après l'opening, donc j'espère que l'opening vous a plu de ces petites clés big box, c'est assez sympatoche. On est là pour vous parler un peu de la faction, tout simplement, donc pour vous dire déjà, oui, notre base claim s'est fait malheureusement détruire par la Sega. Donc la Sega nous ont assaut quand j'étais en vacances malheureusement, mais voilà, la base claim a disparu. Donc c'est fini, il n'y a plus de base claim pour l'instant de la fidèle et l'infidèle, mais pas de panique les gars. En tout cas, ils ont très bien joué, la faction a très bien défendu, et c'était, ce qui paraît, c'était super génial. Moi j'ai pas pu assister à ça malheureusement, voilà, j'espère qu'ils se sont bien battus jusqu'au bout la faction. Et voilà, la base claim n'est plus là. Donc la fidèle et l'infidèle recrutent également. Donc on a ouvert les recrutements. Pour être recruté les gars, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu as juste mon Discord de faction. Tu peux y aller. Et en fait, t'as un channel qui s'appelle recrutement. Et dans ce channel, tout va ticket avec toutes les choses qu'on te demande. Il suffit juste de répondre dans ce ticket. Et puis tu auras une réponse assez rapidement. Parce que oui, maintenant la faction a évolué. Dans la faction maintenant, nous avons mis en place des modérateurs. C'est-à-dire que maintenant il y a des modérateurs. Vous pouvez être modo si vous êtes ancien et fidèle dans la faction. Si vous aidez correctement la faction et si vous êtes un bon farmer, vous pouvez être modo sur l'une de nos factions fidèles ou infidèles. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, et assez fun pour vous, ceux qui veulent évoluer au sein de PvP Warcraft. Donc il y a dans l'épisode numéro 8, on vous avait dit qu'on ajouterait 100 points faction à chaque palier de 5 likes. Vous avez été quand même 20 personnes à avoir liké cet épisode, et en tout cas merci de jouer le jeu. Donc je vais devoir le faire maintenant, ça c'est moins drôle par contre. Alors slash F, point faction, 100 points, bam, j'ai pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir prendre de la monnaie de la faction. Ils vont peut-être me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Hop, on va acheter les points, on va acheter 1, 2, 3, 4, voilà. On vient d'acheter les points faction les gars, donc on vous lance un nouveau défi sur cet épisode. C'est-à-dire qu'à chaque like, on ajoute 30 millions à une cagnotte. C'est-à-dire que un like, c'est 30 millions. 2 likes, ça fera. Je te laisse répondre dans les commentaires. Je pense que tu vas pouvoir y arriver. Et ceux qui ne sont pas encore au courant, les gars, grâce à vous, depuis que la série a démarré, vous êtes, je pense que vous en rendez pas encore compte, mais la faction fidèle est devenue une grosse faction sur Warcraft, parce que grâce à vous tous, on est passé, les amis, numéro 1 sur PvP Warcraft. C'est juste incroyable. Bon, on est quand même suivi par la Sega, la Nseki, la Caprison qui suivent aussi. Bref, c'est parce qu'il y a beaucoup de farmers, et je remercie ceux qui sont dans la faction et qui travaillent énormément dans la faction. Vraiment, c'est incroyable. Ils font un excellent boulot.
Vraiment, les mines, gros, ils sont vraiment rentables en fait. Vraiment, j'avais oublié que c'était aussi rentable. T'as des clés, gros, tu ramasses toutes les émeraudes tranquille. Et avec ça, tu te fais du bitcoins. Tranquille, pépère, tu t'achètes des T60. Nickel. Un nouveau concept également qui a été proposé par l'un d'entre vous. Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez me poser une question que je répondrai à chaque début d'épisode de vidéo. C'est-à-dire que vous voulez savoir quelque chose, que ce soit Minecraft ou un peu la vie privée, ou bref, une question qui vous. Putain, je vais te péter ma pioche, frère. Ça, c'est la merde. Donc, je pense avoir fait le tour sur le débrief de la faction. Je vais vous laisser avec les pièges qu'on a fait bah, avec nos membres. Donc, c'était assez drôle et assez fun. On a eu pas mal de stuff, on a eu pas mal de choses. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous plaire les pièges. Et n'oubliez pas, à chaque like, on ajoute 30 millions à la cagnotte. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification et être les premiers à arriver sur la vidéo. Bon allez, c'est parti les gars, les amis, on se retrouve là maintenant avec un pillage. Donc c'est la infidèle qui l'a trouvé. C'est ça, hein, c'est Aenox. Non, c'est la fidèle. La fidèle, pardon, du coup, excusez-moi, je suis un peu mélangé avec le retour des vagues. Bah du coup, on est en train de piller. C'est quelle faction qu'on est en train de piller là, du coup? L'Infinity. L'Infinity. L'Infinity, si vous regardez cette vidéo, on vous fait un clin d'œil évidemment de loin. Vous avez pas mis de cloque, donc ça fait pas autant. Il y a la lave. C'est reparti pour le canon. C'est bon ça. Salut énergie. Vous voulez que je fasse une cloque, Ayanox, tu veux que je fasse une cloque? Parlez pas tous ensemble parce que je suis en récréation. Non, non, non. Faut pas faire de cloque avec il implose et il n'y a plus de canon. Bon bah les gars, il faut y aller, il faut qu'on va la TNT. On y va, on n'a pas trop le choix. Je pense pas qu'il y ait autant de protection. Ça l'envoie assez loin ou pas? Non. Oh punaise. Ah, je trouve pas. Oh là 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 là. Oh non, le chunkbuster qui a tout cassé. Merde. Bon, quelqu'un a un meilleur canon. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Vas-y, attends. Oh, bien joué. Vas-y, Carlos. Vas-y, mon champion. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, les amis, là, Carlos, il est passé par le toit en fait. Hein, parce que le toit, c'est de la dirt. Et du coup, on est en train de faire la technique du Weiss Creeper. Faut que tu vois ici, un peu vers là. Tu fonces direct. Faut que tu fasses le truc pour voir ici. Direct sur le creeper. Vas-y, attends. Non, mais le problème, c'est que quand je fonce direct dans le creeper, gros, le creeper il s'en va. Non, mais regarde, regarde, mets ton Weiss et viens ici. Mets ton Weiss et viens. Ok. À 3, tu fonces. 1, 2, 2, 3. Ah, ça, déjà, fallait que je fasse lui, non? Ouais, mais là, tu l'as mis trop tard. Vas-y, vas-y, mets le creeper. 1, continue. 2, 3. 2, 3. Ok, ça a pété. Ah, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Vas-y, je monte. Non, mais par contre, il faut le mettre au même endroit. Ça veut dire que tu mets peut-être le Vas-y, galère. mets-le tout le temps sur la même ligne que je suis là. Ok? Vas-y. Vas-y. Non. C'est bon, ça a pété. Allez, les gars, ça y est. Putain, je suis un pro pilleur. Désolé. What the fuck? Oh, allez, en vrai, j'y vais. En vrai, j'y vais. C'est 3 coffres là, il y a full pride, MVP, etc. Ça dégage. What the fuck, man? Bon, ben. Je te sers rien. Allez! Non, mais arrêtez, non, ça attendez. Pas. Oh, mais c'est chaud tout ça, gros. Attendez, mais gros, mais moi j'ai plus de skybase là. Attends, vas-y, TP-toi. Attends, au coquin, on. Où est-ce que je peux stuck? Après, Oh je là tente le là! point pour plus de ma base. Moi j'ai des petits allumés. C'est ça, je dis rien, mais les giveaways ils sont mieux quand c'est Energy Cave qui les fait. Vas-y Non, les c'est pas gars. qu'ils sont mieux, c'est qu'on les trouve mieux, on les trouve plus facilement parce qu'il y en a plus. Y'en a qui a très mauvais non, ce jour. Oh non, ça y est, là je me suis là là là. Oh le truc de ouf. Oh bah les mecs, doucement, on joue. Attendez un peu. Oh DGB. J'aime bien le ODGB. ODGB. Non mais les gars, vous. Oh ouais. Attends, TNT, TNT. Ah la TNT, je prends gros parce que c'est cher en ce moment. Ouais, bon, c'est pas très là, c'est pas vraiment Oh très. là là, les mecs, le pillage. C'est de la qualité normande. C'est un piège du futur. C'est un piège de qualité. J'ai des T28 stats par 5. Ah, j'ai 40 GB de bedrock. Putain, mais ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir de. Potion! Là, je double les stacks. Ouais, mais il y a peut-être du stuff de Ok, Guillaume, les mais gars, pas. Il faut. On a un prêt le coup.
Le gars, il faut péter. Oh, j'ai un bonus 4 celui-là. Vas-y, Carlos. Et pété. Oh, allez, ça pète. Oh, ouais, il y a du stuff. Là, c'est bof. Mais après, là, il y a quelques creepers. Oh, là, il y a des creepers. Des creepers. Ouais, des creeps. Moi, j'y prends pas beaucoup. Allez, là, pas rien. Ok, on a tout fini. Bah, GG, les gars. Très beau pillage. Ouais. GG. GG. De quoi, oh my god. Tu les as trouvés? Oh my god. Attends, mais gros, attendez-moi. Il faut que je mange une pomme. Vous êtes... Oui, c'était une base comme ça. Je me tais pas à qui? Je me tais pas à qui? À Carlos. Attends, attendez-moi. Ah, oh les gars, attends, bah, je vous ai trouvé. Oh, bien joué, putain, frère. Gardez-moi la TNT, les gars, parce que mon canon, il en bouffe. Putain, mais gros, hey, vous êtes des malades. Ah, s'il vous plaît, est-ce que quand on part, on peut poser un chunk buster pour que tout le stuff il drop pour faire? Non. Ça ne dégage que le stuff. Ça se voit qu'on revient des vacances. Les gars, ça se voit qu'on revient des vacances parce que là, on fait des dégâts en vrai. Hein. Non, c'est un claim. Je sais pas qui c'est. C'est une BP en vrai. Hein. C'est une BP, ouais. Ah, ça, c'est une base de Kivol, je reconnais. Bon. Et attendez, au pire, si vous trouvez une hache, tous les coffres vides, on les casse. Hein, mais gros, il pue la merde. J'ai un stack de haches, mais j'ai la flemme de les utiliser. Il y a des cumulés, je vais te les garder. Alors, ça, je vous fais potion. Il y a rien, hop. Gros. Si, il y a des trucs. Je suis pas sûr que si. Ouais. En vrai, moi, je m'en fous pour la TNT, les creeps. Ah, mais c'est quoi ces cumulés speed 3, frère? Ah, c'est éclaté. Oh, il y a des. Oh, t'as du speed 3 en fait. Oui, mais c'est que du speed 3 en fait. C'est juste. Oh, la TNT, je crois. Ah, oui, que du speed 3. Oh, il est cassé le. Ouais, c'est vrai que Kev, avant, il avait gif des calumets 20 sur le fun. Y'a pas grand chose, hein. Ils ont même pas gif de clé hier. Oui. Ah, ça c'est BPP. Bah, du coup, je pense qu'on va mettre ta petite chaîne booster. Y'a rien dans les. Non. Non, attends. Mais attendez, mais calmez-vous, les gars, pas tout de suite. Oui, bah oui, mais. Toi, pas tout de suite. Excitez-vous pas, calmos. Tu reviens de vacances, t'as déjà claqué des chunkbusters, t'es fou. Allez, fais péter. Oh, je vais devoir s'abuser. Vas-y, fais allez, péter. Allume le creeper. Allume le creeper. Allez. Carlos, allume la tête. Il y a que dalle. Oh là là. Ok, j'ai crash. Oh putain. Alors. Ici, ça fait mal. J'aurais pas dû regarder le corps. Ah, ça y est, vous allez lancer les chunks. Putain. On est vraiment des enfants. Non mais surtout que Chunkbuster ça a juste détruire le stuff, hein, ça a pas le drop par terre.